Laisse-moi me concentrer. Ah, tu m'as fait écraser un flic. C'est fini. Allez, viens. Hey, qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Mais j'ai tendu les journées pour ça, monsieur. Merde, alors. Mais enfin, journal tranquille. Ben quoi, excusez-les, ils sont jeunes, quoi. Laisse tomber. C'est l'heure! Ouais, ouais. Bonjour! On va répéter, la chanson qu'on a répétée hier, tu te rappelles? On y va, tu es prêt? Pas trop vite, hein? Vas-y, on y va, tu es prêt? À plein cœur vers notre avenir, à plein cœur il nous faut partir, oh oui, oh oui. Pour mon amour je suis prête à me battre aujourd'hui, j'ai attendu ce jour toute ma vie, oh oui, oh oui. À plein cœur je veux l'aimer, à plein cœur je veux chanter, oh oui. Dans un élan insensé, dans ma joie, je vous prie, rien ne peut m'arrêter dans ma folie, oh oui, oh oui. Oh là les mots. Oh, une minute, on a presque fini. Tiens, tu y vas, Marc. Vers notre avenir, à plein cœur il nous faut partir, oh oui, oh oui. Ouais, pour mon amour je suis prêt à me battre aujourd'hui, j'ai attendu ce jour toute ma vie, oh oui, oh oui. À plein cœur moi je veux l'aimer, à plein cœur comme un damné, oh oui. Tout de suite. T'es sûr qu'il va pas nous doubler? Lui? Il a jamais doublé personne sauf avec sa moto. En dehors de sa guitare, il a rien dans le crâne. Réfléchir, je sais pas. Tu devrais essayer des... Tu sais, Johnny... T'as été formidable. C'est pas moi qui ai cherché la bagarre. Mais s'ils la veulent, ils l'auront. En fais pas, Johnny, on est tous avec toi. Allez, viens. Oh, regarde, c'est toujours la même chose, on me met jamais dans le coup. Ben et nous alors? Ah, si le vieux veut parler avec Johnny, c'est leur affaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que je vais partir à la campagne. Oh, chic alors. Seul. Il a dit seul. Visitez la Camargue secrète et sauvage, par shérif assermenté, ses taureaux sauvages, ses gardiens vigoureux, ses chevaux indomptables mais sans danger, ses bouillabaisse d'anguilles, son parc zone. Monsieur, le mât du Capellan, s'il vous plaît. Ah, pour aller au mât du Capellan, oh, c'est bien simple. Vous prenez la drague des Cinq-Gorges, vous passez la Conséquanier, et puis alors après, vous bifurquez à droite sur la Remoure, en évitant la Ciboulette. Et alors, quand vous arrivez au Trou des Lors, eh bien, c'est pas là. Et qu'est-ce que vous alliez faire alors au match du Capellan? Oh, je vais voir un ami. Un ami? Ah. Il s'appellerait pas Johnny par hasard? Comment? Vous le connaissez? Je comprends, je l'ai vu naître. Ça alors? Mais si vous voulez le voir, c'est pas la peine d'aller au match.
Il sera là cet après-midi aux courses, là. C'est Christophe qui fournit les taureaux. Mais dites-moi, vous êtes venu spécialement de Paris pour le voir? C'est mon droit, non? Oui, pardon. Et qu'est-ce que vous voulez à Johnny? Ça, c'est mon affaire. Gna 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 gna. Eh ben... Bonjour Marie-Rose. Bonjour, ça va? Bonjour Paul. Trouvez qu'il fasse pas le fou encore aujourd'hui, ce Django. Tu aurais pas dû l'énerver. C'était pour rire. Il faut pas rire avec ça. Tu sais qu'il s'est battu avec Johnny cette nuit. Battu? Mais pourquoi? Pourquoi? On dirait que tu le connais pas. Et il est jaloux. Mais il n'a pas de raison. Je sais bien qu'il n'a pas de raison, mais c'est un gros nerveux. Tiens, regarde-le dans quel état il est. Tu n'as pas peur pour lui tout de même? Oh, si, mais j'aime ça. Ça va, t'es en forme? Johnny! 1000 francs et 2 grains de zinc. Johnny! 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 Alors, vous l'avez vu, votre Johnny? Bah oui, mais... Lui, il m'a pas vu. Oh, ça fait rien. Fichez-moi, fichez-moi vite. Oh, attends, j'ai compris. Suis-moi. Tu regardes là-haut, sur son point de mire, et tu vas droit au but. Vous êtes sûr qu'il nous a pas suivis? Je ne pense pas. De toute façon, tu ne risques rien, puisque tu es avec moi, alors. Oh, dire que c'est de ma faute s'ils l'ont trouvé. Ça, tu peux le dire, c'est de ta faute. Mais aussi, tu pourrais pas rester chez toi? Quand il n'est pas avec moi, je sais pas quoi faire. Fallait bien que je le voie. Bon. Mais maintenant, tu l'as vu? Tu vas faire le plaisir de rentrer à la maison, hein? Et Johnny? Johnny, t'en fais pas. Je suis là, moi. Je surveille. Voilà. Allez, viens, va. Arrêtez tout de suite! Tu parles d'un bled? Qu'est-ce qu'on va faire au juste? Apprendre les bonnes manières à un petit jeune homme très mal élevé. Où est le client? Pas loin d'ici, à 7 ou 8 km, au bord de l'étang. Et comment ça s'appelle? Le mas du Caplan. On y va? Non, on n'y va pas, on attend. D'accord, c'est pas le patron. Ça va être gai. Faut d'abord que je l'amène ici. Et comment tu vas t'y prendre? Bah, tu verras bien. Qui c'est celle-là? Oh, mais je sais pas. Elle cherche Johnny, elle dit qu'on veut le tuer. Moi, je vous jure qu'elle a rien fait de mal. Du calme. Assieds-toi. Il commence par le commun. Qu'est-ce que c'est où c'est? Merde alors! Contre le mur! Et plus vite, cochin! Allez! Dedans! Les femmes au volant.
As-tu été là, toi? Bah, heureusement que j'étais là. Oh, à son âge, se mettre dans des états pareils. Toi, descends. Ben, y a pas le bruit, tu descends. Vous avez raison. Il vaut mieux comme ça. Vous prendrez bien soin de lui? Ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit. Tant que je suis là, il risque rien.